Léa, si tu lis cette lettre, c'est que tu as survécu. Un événement terrible. Tout détruit. Oh, ma tête. Ma tête me fait mal. Je ne me souviens de rien. La caméra est allumée. Ça veut dire que le système de surveillance... Quelqu'un est là, derrière, qui me regarde. C'était quoi ce bruit ? Qui est là ? John ? C'est toi, John ? Oh, mais que s'est-il passé ? Tout est cassé. Cette brume et ces plantes partout. La caméra ne m'a pas suivi quand j'ai changé de pièce. Je ne crois pas que vous sachiez vous en servir. Est-ce que je peux vous faire confiance ? J'ai besoin de vous de toute façon. Voilà, vous êtes dans le local de surveillance. Il faut saisir un code pour activer le système. Le code est Eden. E-D-E-H-N. Tapez-le. Merci. Oh, merci. Je suis pas seule sur ce fichu navire. Ah, une diode s'allume. Verte, ça veut dire que le programme est en train de s'initialiser. Bon, je n'ai pas le temps de vous présenter le système de sécurité, mais si vous voulez m'aider, vous devez apprendre à vous servir des caméras et de quelques fonctions élémentaires. Suivez mes instructions et tout ira bien. Que voyez-vous à l'écran ? L'onglet caméra, est-ce qu'il est actif ? Clique, très bien, parfait. Oh, j'ai peut-être parlé trop vite. Le système n'a pas l'air très stable. D'accord, seule la mise à niveau rotation s'est installée correctement. C'est mieux que rien. Vous pourrez équiper les caméras de votre choix. Elles deviendront mobiles et pivoteront dans toutes les directions. On va essayer tout de suite. Cliquez sur le bouton « Rotation » pour mettre à niveau toutes les caméras. Bien. Pour prendre le contrôle de la caméra, appuyez sur le bouton gauche de la souris. Et bougez-la. Oui, ça marche! La caméra a bougé! Il y a donc bien quelqu'un. Mais qui êtes-vous? Êtes-vous un membre de la base? Faites oui avec la caméra, si c'est le cas. Je ne comprends pas. Seul Andy, Léonard et Michael... Michael... Ah, j'ai oublié son nom. Enfin, ils ne sont que deux à avoir accès au système de sécurité. Et eux savent s'en servir. Encore un mystère. Mais qui êtes-vous, alors ? Un militaire ? Vous appartenez à l'armée, c'est ça ? Écoutez, on ne peut pas rester dans cette chambre. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin de vous pour me guider. Vous allez m'aider. Voilà. Le système garde en mémoire tous les plans de la base. Cliquez sur l'onglet « Plans » dans la colonne de gauche. Ce qui vient d'apparaître, c'est le plan de la zone où je me trouve. Les boutons sous la carte permettent d'afficher les caméras et les portes. Vous pouvez agir dessus. Allons, sortons d'ici. C'est sinistre ici. On dirait qu'il y a eu des combats. Les caméras sont éteintes. Pouvez-vous les activer depuis le plan ? Il faudra le faire partout. N'oubliez pas aussi de les mettre à niveau. Vous pouvez commander les caméras depuis le plan. Activez celle de la coursive, s'il vous plaît. Merci. Ici, chaque zone est isolée du reste de la base et possède des circuits indépendants. C'est une mesure de sécurité. On n'y voit rien.
Tiens, c'est bizarre. Quelqu'un a coupé l'interrupteur général. Maintenant, votre plan doit afficher les lumières et les objets. Vous pouvez intervenir sur eux comme sur les caméras. Toujours rien? Oh, sans doute l'humidité. Le réseau n'a pas tenu le coup. Mais ça marche! Comment se fait-il que l'interrupteur n'ait pas... Quelqu'un a dû saboter le réseau. Pourquoi? Ça me donne une idée. Si vous voulez attirer mon attention sur une pièce, éclairez-la, je m'y rendrai. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Au fond du couloir, c'est la porte qui mène au laboratoire. Il faut l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose doit bloquer. Servez-vous des caméras. Il doit y en avoir une derrière cette porte. Vous ne voyez rien non plus avec la caméra? C'est trop sombre? Il faudrait la mise à niveau vision de nuit. Elle est peut-être dans le bureau de John.
John n'est pas là. Je me demande ce qui lui est arrivé. Vous devriez jeter un œil. Il y a peut-être des choses intéressantes. D'accord, c'est une cartouche vision de nuit pour la caméra. Chargeons-la sur le système. Je ne sais pas s'il marche encore. John n'était pas très soigneux de ses affaires. Bravo, ça nous sera très utile. Puisque nous sommes sur l'ordinateur... Écoutez, je ne vous connais pas encore très bien, mais... Jusqu'ici, je n'ai pas eu à me plaindre de vous. Vous semblez quelqu'un de confiance. Je sens que notre sort est lié à bord de ce bateau. En quelque sorte, nous faisons équipe. Si nous voulons avancer, il nous faut cibler des objectifs et les noter quelque part. Tenez, je vais créer un onglet dans le menu général. Le premier objectif pourrait être la maîtrise du système de sécurité, des caméras et du reste. Ça vous va? Et le second? Le second est un peu spécial. Je ne peux pas tout vous dire sur la base et les recherches que nous menons ici. C'est trop tôt. Sachez seulement que je suis très fatiguée. Il se peut même que ma vie soit en danger. Une seule chose peut me remettre sur pied. Il s'agit d'une substance chimique. L'oxydrine hydroxyque. Je dois en inhaler de toute urgence. Voilà donc le deuxième objectif. Trouver de l'oxydrine hydroxyque et me l'administrer. Bon. Sortons. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire ici. Ah, j'oubliais. J'ai activé la commande d'urgence. C'est le bouton dans le menu général que j'ai renommé « Aide ». En cliquant dessus, je comprendrai que vous avez besoin d'aide. Et je tâcherai de vous répondre. Ah, vous avez réussi à ouvrir. Merci beaucoup. Ici, c'est le laboratoire d'écologie chimique. Guidez-moi, s'il vous plaît. Les lieux m'étaient familiers, mais je ne reconnais plus grand-chose. Pour m'attirer quelque part, allumez une lumière ou un objet. J'irai dans sa direction. La blanchisserie est inondée. Rien à faire ici. Viens ici, nous serons tranquilles. Et les caméras, qu'est-ce que tu en fais? Des caméras dans une blanchisserie? Partout, je te dis. C'est demain le grand jour, Léa. J'ai peur, tu sais. Tous les autres... Mais je ne suis pas comme eux. Je le sens. Je vais aller là-bas et je vais en revenir. Promis? Promis. On se réveille.
Combien de temps, Lloyd? Déjà 32 minutes. À l'évidence, l'organisme humain tolère mal l'oxydrine. Un vrai poison. Je me demande parfois s'il recherche un silence. Regardez, il revient à lui. Il ouvre les paupières, professeur Nichols. Ça ne signifie pas qu'il soit conscient. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Je crois qu'elle en pince pour 112. Taisez-vous, Lloyd. Combien d'inhalations? 11.4, professeur. Nous tenons là un sujet exceptionnel. Les autres n'en ont pas toléré plus de 7 ou 8. En effet, son corps paraît réceptif à l'oxydrine hydroxyque. Pas de conclusion hâtive. Nichols, que disent les signes vitaux? Pouce en 20, fréquence respiratoire normale. Les pupilles réagissent bien. Et la température corporelle? Lloyd, vous l'avez prise. 38°43. Mais il ne faut pas en tenir compte. Une fièvre légère est souvent observée chez les récepteurs après l'inhalation. Tiens, allez-vous m'apprendre mon métier, Lloyd? Certainement pas, professeur. Vous dirigez ce laboratoire, je... plutôt ce que contient le dossier de ce monsieur. 28 ans, sans domicile fixe, pas d'antécédents médicaux. Un profil banal. L'armée a fait les tests? Oui, il possède bien un sixième sens. On appelle cela des perceptions extrasensorielles, Lloyd. Restons scientifiques. Eh bien, ce monsieur me paraît un cas intéressant, très intéressant même. Le moment est venu de l'envoyer chez nos amis. Déjà, professeur? 112 a bénéficié d'une préparation plus longue qu'aucun des 111 récepteurs qui l'ont précédé. Alors oui, je le répète, il est temps qu'il remplisse sa mission. Je vais en informer tout de suite le service. Courage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu connaissance. Non, j'ai fait un rêve. Je ne sais pas. C'est peut-être un effet de l'oxydrine hydroxyque. Il doit en rester dans mon sang. Allez, debout. Oh, c'est affreux! Oh, qui est cet homme? Le professeur Zetfield? C'est sa blouse en tout cas. J'ai l'impression qu'il tient quelque chose. Attendez. Oui, c'est le passe magnétique. Il permet d'ouvrir une porte sécurisée vers le laboratoire voisin. Il me le faut. Je vais inscrire un nouvel objectif dans l'ordinateur. Récupérer le passe. Vous voyez cette brume qui flotte au sol? C'est l'oxydrine hydroxyque. Mais très concentrée. Je ne peux pas l'inhaler sous cette forme. Ce serait la mort assurée. L'oxydrine hydroxyque est stockée dans le laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée. Cette porte est le seul accès. Je dois la franchir. Je l'ai échappé belle. Mais qu'est-ce qui a pu faire un trou pareil? Lumière, s'il vous plaît. Ah, d'accord, les lampes sont fichues. Vous voyez un autre moyen? Passez en vision de nuit. Ce sera toujours mieux que rien. Attendez, j'ai une autre idée.
essayez d'allumer les diodes des calculateurs une par une pour baliser le chemin. Consultez le plan de la zone. Les machines y figurent sûrement. Allez, ça devrait marcher. On y est arrivé, enfin. La porte est verrouillée. Elle est solide, je n'arriverai pas à la forcer. Il faut un code pour l'ouvrir. Est-ce que vous l'avez ? Faites bouger la caméra pour me répondre. Vous n'avez pas le code, bien sûr. J'hésite à vous le donner. Mais je crois que c'est la seule solution. Tant pis, je risque le coup. Vous devez d'abord accéder au système sous mon identité. Le bandeau de gauche comporte un champ alias et un champ mot de passe. Dans le premier, saisissez mon nom. L.Nichols. Je vais épeler. L.N.I.C.H.O.L.S. Ensuite, mon mot de passe. Attendez, je m'en souviens plus. Si, ça me revient. Eurythmia. Vous savez l'écrire ? E-U-R-Y-T-H-M-I-A. Vous y êtes ? Un onglet collaborateur a dû s'afficher. Cliquez dessus. À présent, cliquez sur mon portrait. C'est fait ? Bon, vous venez d'accéder à ma fiche personnelle. Le code de la porte doit s'y trouver. Mémorisez-le. À présent, ouvrez le plan de la zone et cliquez sur la porte. Le système vous demandera le code correspondant. Saisissez-le. C'est compris ? Je vous laisse faire. Vous me suivez ? Ah, vous avez réussi à ouvrir. Merci beaucoup. Il faut entrer dans cette pièce. Oh, comment faire ? Je saisis mon alias et mon mot de passe. Vous le trouverez dans mes dossiers partagés. Il existe une cartouche de zoom pour la caméra. Je pense qu'elle doit se trouver ici, puisqu'elle n'était pas dans la chambre de John. John était un proche collaborateur du professeur Zedfield. Il venait souvent au laboratoire d'écologie chimique. Bon, il faut mettre la main sur cette cartouche.
Vous avez trouvé la cartouche? Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? On verra plus tard. Occupons-nous d'abord de la cartouche. Il faut la charger. C'est fait. Et j'ai une idée. Pouvez-vous vous connecter sur la caméra? Ça doit être possible à partir du plan. Formidable. Voilà, c'est le robot dont je vous ai parlé. Mais pour l'activer, il faut un code. Le professeur Zedfel a dû le noter dans sa fiche personnelle. Essayons d'abord d'accéder au système sous son identité. Entrez le nom du professeur dans le champ alias, en haut à gauche de l'écran. M.Zedfel. M.Z.E.I.T.F.E.L. À présent, son mot de passe. Est-ce que vous l'avez? Non? Comme il a des problèmes de mémoire, il a dû le noter quelque part. Il ne doit pas être bien loin, cherchons-le. Comme je vous l'ai dit, le professeur Zedfel a une très mauvaise mémoire. Regardez chaque papier. Vous y trouverez certainement son mot de passe et les codes d'accès à ses dossiers sensibles. Comme je vous l'ai dit, le professeur Zedfel a une très mauvaise mémoire. Regardez chaque papier. Vous y trouverez certainement son mot de passe et les codes d'accès à ses dossiers sensibles. Comme je vous l'ai dit, le professeur Zedfel a une très mauvaise mémoire. Regardez chaque papier. Vous y trouverez certainement son mot de passe et les codes d'accès à ses dossiers sensibles. Comme je vous l'ai dit, le professeur Zedfel a une très mauvaise mémoire. Regardez chaque papier. Vous y trouverez certainement son mot de passe et les codes d'accès à ses dossiers sensibles.
Comme je vous l'ai dit, le professeur Zedfell a une très mauvaise mémoire. Regardez chaque papier. Vous y trouverez certainement son mot de passe et les codes d'accès à ses dossiers sensibles. Comme je vous l'ai dit, le professeur Zedfell a une très mauvaise mémoire. Regardez chaque papier. Vous y trouverez certainement son mot de passe et les codes d'accès à ses dossiers sensibles. Zedfield n'a aucune mémoire. Il note tout sur des bouts de papier. Essayez de lire ces petits mots, il y a sans doute des choses intéressantes. Peut-être même son mot de passe. J'espère que votre caméra dispose d'une fonction zoom. Sinon, vous ne verrez rien. Comme je vous l'ai dit, le professeur Zedfell a une très mauvaise mémoire. Regardez chaque papier. Vous y trouverez certainement son mot de passe et les codes d'accès à ses dossiers sensibles.